Que j'ai encore des burgers moi. Quoi? Oh, j'ai encore des burgers. Burger. T'as faim, Guillaume? J'ai 61% de faim. Les citoyens. Bah, viens. Veuillez retourner à votre. Je te donne une petite pastèque. Les gars, il y a un couvre-feu, faut rentrer chez nous. Oh, t'es cut. Ils viennent pas ici. C'est plus au centre-ville. Donc là, je l'ai bouffé. Ouais. Eh, monsieur. Ah, ben c'est bon, j'ai été libéré. Franck, t'es où? Ouais, je viens de rentrer dans... dans... Yeah, Jean, bonjour. T'es en prison ou pas? Je suis à côté de Jean Michmich. T'es à côté de Jean Michmich? Oui. Ben, enfuyez-vous, les gars. Il me refile de la drogue, monsieur. Moi les gars, je sais pas ce que je fais là. En fait, on m'a mis dans une cellule et je me retrouve. Ben les gars, j'arrive. J'arrive, vous sauvez. Quand je sors, je vais te tuer. Moubarak, viens en prison, là, c'est le gros bordel, viens m'aider. Ah, Skip, c'est le gros bordel en prison. Mec, je me suis transformé en flic, il dit ça en fait. Vous avez 160 secondes pour rentrer chez vous. Mais mec, on m'a rebloqué. Où vous êtes les gars? Ouvrez monsieur, on va les calmer là. Ça veut pas. Franck, fuis. Mais non, on m'a menotté. Non, tu seras en prison. Mec, tu peux pas ouvrir une porte comme ça. Je comprends rien. Mec, je suis policier, je suis derrière toi. Monsieur, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le punir? Ah ben, j'ai tenté. Tu veux être mon ami? Excuse-lui. Vas-y frère, arrête de tirer. S'il te plaît. Putain, t'as plus à faire. Oh, vous faites quoi? Oh, mec, arrête. Bah, il est interdit de taper les prisonniers. Mais il y a l'autre, il y a tout le monde qui colle. T'es calme. Gardez votre calme, monsieur. Toi, je te mets. Oui? Mais arrêtez de cogner là! Ta gueule! T'as vu, moi j'ai un tasseur, je peux le buter quand je veux. Une grosse base au métro. Je veux tout le monde au métro. Viens, t'as le bloc. Métro. Métro. Je sais. C'est quoi leur barbe, vas-y, viens. Je sais pas ce qu'ils ont. On va aller chercher Franck, les burgers de la map. Allez, battle flip. Tu veux quoi? Le fourgon, il est un peu plus lent. T'es tourné à gauche après ou pas? Je suis allé tout droit là. C'est bon. Donne Archibald, tu m'entends? Il y a un taxi par ici. Je t'entends. Il y a peut-être des machines. Hein. Donne Archibald, est-ce que tu m'entends? Sors le taser de base. Non, le pistolet il est mieux, mec. Tu m'entends, Ben Archibald? Oui. Tu es où? Il n'y a pas de machine, je crois. J'entends rien, personne. Je suis en ville, quoi. Il n'y a aucun bruit, donc. Je douterais. Où? On peut pas la cacher aussi. En ville, quoi. Non, là, je vais. Tu vois, on va voir dans le quartier riche. Je me suis mis en policier.
Et là, j'essaye de me balader en ville. Bah, viens devant le commissariat, je te récupère. Mais c'est vraiment pénible ça, par contre. Ok, là, je suis juste devant le comico. Nique la police. Ah, c'est bon, mec, je sais comment tu peux enlever. C'est Ruben Uzumaki. Comment ? Tu fais C et tu cliques sur le truc tout en bas là. Éteindre la radio. En appuyant sur C, oh, en étant bon. Dans la bagnole. Oh, c'est bien. Là, c'est bon, je suis dehors. Bon, vous avez de la chance, hein, j'ai besoin d'aller chercher un pote. J'ai une vie. Je suis en haut à gauche à la station essence. Ah oui, dès qu'il te reste une vie, ben, au lieu de payer 800, tu vas payer 2700. T'es où, Franck ? Gauche, attends, tout en haut à gauche de la carte. Station essence, la plus en haut à gauche de la carte, ok. Ou à gauche. Ah non, la deuxième. Attends. Oui, station essence. Enfin, tu parles de station d'essence ou des petits trucs orange là dans la carte. Ah ok. Ah non, laisse tomber, attends. Jérémy de la Roche, tu vois Jérémy de la Roche. Attends. Je vois Vincent. Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, Jérémy de la Roche, ouais. Ouais, bah je suis pas loin. Je suis plus vers la gauche par rapport à lui. La gauche, du coup. Elle est petite en fait, la carte. Ouais. Mais couze, attends. Viens, frère. Je suis dans la route en dessous de. Viens. De la fumée. Mais tu sais que c'était toi en plus. De la roche. Quand est-ce qu'on tu sais, t'arrives comme ça devant le comico. Cortex 91, sortez de toutes vos armes. Attends. Là, c'est obligé, il y a des imprimantes. Non, il y a rien. T'es sûr ? En fait, c'est tellement l'endroit le plus utilisé pour faire ça que. Ben. Non, plus non, plus c'est pas celui qui fait ça, du coup. Attends, tu m'as attendu ? J'arrive. Ben, t'inquiète, en fait, Franck, il est juste à côté, donc je suis allé le chercher. Ah, c'est bon, je suis devant le comico, je crois. T'es devant le comico ? Attends, mais t'es parti sans moi, gros. Je sais pas ce que c'est le comico. T'inquiète, Guillaume, je viendrai te rechercher. Il est tout en bas à droite. Je suis devant le comico là. Il y a des distributeurs devant le comico, il y a des gens qui tirent. Ah bah non. Eh, j'ai une voiture de police. C'est bon, je vois. Je roule. Aïe. Ah, c'est toi là ? Ah bah, rejoins. Bah, tu la vois la voiture de police ? Ouais, maintenant je la vois. En fait, comme j'ai quitté que je suis revenu, et bah, je vois tout. C'est bon. Ah, cool. Ben, on va chercher Guillaume. Je vais commencer pour vous montrer un petit endroit. Peut-être vous allez aimer. Mais les gars, vous avez pas d'armes ? Si, on en a. On a un pistolet, on a un taser, on a des menottes. Je vais bien tester un truc sur le mur. Oui. Bon, ben, Guillaume, on a besoin de ta voiture. Que je voyais des mauvais conducteurs. Je sais, vous faites quoi ici? Bah, je me balade, le taxi vient de me laisser. Ouais. Mais c'est pas une voiture. Mais non, pour aucune raison. Si, on peut aller en chercher. Un endroit de quoi faire que les voitures ne les voient pas. Pour leur mettre des amendes. Ne dites rien, c'est un secret. Hein. Sinon, vous allez affaire à avoir un ouragan. Vous aurez affaire à la loi. Vous sauriez pas où est le maire ? Le maire, il est probablement au commissariat. Attendez, je vais reformuler. Vous auriez pas vu un hélicoptère passer proche d'ici ? Non. Aucune information de ce véhicule. Les gars, je viens de dire qu'il avait une charge de C4. Monsieur. Oh.
Monsieur, monsieur. T'as pas le droit de faire ça. Pas grave. Monsieur, 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 monsieur. Vous allez nous expliquer maintenant pourquoi. Attends. Monsieur, vu que vous êtes à la recherche du maire, je me dois de vous fouiller. Tu te dois de rien, tu te dois de rien. Monsieur, revenez là, revenez là, revenez là. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Tasse-le, tasse-le, tasse-le. Il en veut encore. Arrêtez-vous, monsieur. Putain, j'ai une fracture, mec. Vous en voulez encore ? Tiens, dans ta main. Dans la chatte à ta mère. Arrête-toi, arrête-toi. Mais t'as pas à m'arrêter, putain de connard là. Casse-toi. Si. Tu obéis pas à nos ordres. On a des raisons pour faire ça. Non, vous avez aucune raison. Vous êtes à la recherche du maire, vous êtes peut-être un assassin. On a le droit de vous fouiller. C'est lui là qui me fouille. T'as aucun droit, toi, casse-toi. On a le droit, on a une raison pour faire ça. Tant qu'on a une raison spécifique pour faire ça, on a le droit. Mec, attends, je lui voulais une arme. Vas-y, rentre-le en prison. Là. Mec, je. Voilà. Pour 240 secondes, je lui ai dit. Non, mais mec, attends, déjà c'est abusé. Le mec il s'arrête pas. Hein. Mec, il aurait moins fait le malin, on aurait été gentil avec lui. J'ai coup. Faut que j'aille me soigner, moi, par contre, hein. J'ai une fracture. Ah, regarde ce qu'il est. J'ai un peu faim. Oh my god! Ta gueule! Il est séparé professionnel. Mais tu roules à 70. Bah, je roule trop vite, là. Tu peux une gomme. Non, mais. Non, mais. Une gomme, laisse tomber. Hein. Si tu vas à cette vitesse-là, on pourra rien lui dire. Hein. Je roule comme un porc. Mais... Ah, putain. Roule. Roule. Attends, viens faire. On va bluffer un peu. Vous êtes vraiment sérieux ou quoi? Me foncer dedans? Oui, monsieur, vous avez dépassé la limite de vitesse. Hein? Bah non. Soit prison, soit amende. Et pourquoi? Vous avez dépassé la limite de vitesse. Vous avez dépassé 10 km/h. Combien? 10 km/h, vous avez dépassé. Vous devez payer 100. 120, 120. Je vais la payer, hein. Oui, bah vous avez bien obligé, oubliez ça, oubliez ça. Donnez-moi le truc. Juste un conseil. Vous donnez à Jean Michmich. S'il vous plaît. Et juste un conseil, la prochaine fois que vous devez vous arrêter, mettez-vous sur le trottoir. Là, vous encombrez la voie. Et même arrêtez là, vous encombrez toujours la voie. Voilà, je peux les donner là. Et comme vous êtes pas garé, monsieur, c'est une amende de ménage. Comme je suis sympa, je vous laisse. Pour aujourd'hui, bonne journée. Allez, on va faire chier d'autres gens. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Oh, monsieur, vous roulez trop vite. Calmez-vous. Ouais, non, tranquille, on est en train de mettre des BV là. Ouais, okay, allez, à plus. Plus cool. Plutôt gentil, lui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié une fois qu'il doit rentrer. Mais c'est moi. On craque le dos. Ah, d'accord, je ressemble à ça, moi. Eh, hey, les gars, ça gagne bien. Gros, devant lui, j'ai roulé à 120, gros. Oui. 360. Ouh, 312 secondes. Attends, il y a une voiture de flic là. Ah non, il y a une voiture tout court, mec. C'est encore mieux. Tu la vois la voiture là-bas? Dans le parking? À côté du Comico?
Ah, comment il roule? Il roule doucement maintenant. Attends, oh putain. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Attends. On va aller le voir, Est-ce que t'es rentré Là, il est à 0 km/h. Là, il est à 0 km/h. Monsieur, calmez-vous sur la route, hein. Monsieur. Oui, veuillez vous écarter aussi des voitures, hein. Monsieur. Merci, bonne journée. Passage piéton, c'est qui? On vous demande de rouler un peu moins vite, s'il vous plaît. Oh monsieur, ça c'est la mort. Pour la sécurité des paysans. Monsieur. Veuillez sortir de votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Oh monsieur, arrêtez-vous tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Sortez de votre véhicule. Vous faites l'amour, c'est quoi ça? Sortez du véhicule. Monsieur, arrêtez-vous. Vous êtes en excès de vitesse là. Veuillez vous arrêter aussi, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez vous arrêter. Démarre. De s'enfuir. Monte. Mais bah... Attrape-le. Je te dis où il est. À droite. Non, ici, s'il vous plaît, ok. Non, t'es complètement fou. Je fais le tour de l'autre côté, ok? Il pourra pas faire ça. On va le choper. Il est dans le bâtiment? Oui. Vas-y, les gars, venez, on parle avec l'accent canadien. Monsieur. Mettez-vous à genoux. Il n'a pas d'arme. Alors? Ah, attends, qu'est-ce que tu fais? Démenote-le, c'est le bro. Tu vois pas, il est noir. Eh, ouais, c'est un frère. Les gars? Par contre, t'as dépassé un peu la limite de vitesse, en plus. Est-ce que t'aurais pas vu une voiture bleue? D'accord. Zut. Mais mec, c'est bizarre. Est-ce que vous pouvez avoir des tout? Ouais. Ah, bah, pourquoi vous l'utilisez jamais? Bah parce que nous on a des choses plus intéressantes comme les menottes et puis parce que toi t'es là pour le faire. Vas-y, viens. Mec, mais c'était lui le gars qui était dans la voiture bleue. Bah viens, attends. S'il y a personne. Ah, c'est ma propriété ça. Monsieur, par hasard, c'est vous qui aviez la voiture bleue. Mais oui, c'est lui, il a dit c'est pas ma faute, c'est lui. Ah bah c'est lui. Mais oui, c'est lui. Ah, ben ok, ben. Menottes, direct. On est désolé, monsieur, mais vous avez abusé, hein. Clairement, vous avez soulevé une voiture de flic. Franchement. Vous avez cru que c'était votre mère. Franchement, nous sommes désolés. Ça va coûter cher, mais je pense que c'est mérité. C'est vrai, c'est une amende de 2000. Non, c'est bon. Ben, à part si vous voulez nous de payer une amende et on n'en parle plus. C'est une amende de 120. Vous le donnez à monsieur, j'en sais rien. Je suis l'homme qui fait. Oh, vous avez de la chance, on a baissé la note, hein. Ce qui a été assez salé. Et malheureusement, je préfère le sucré. C'est quoi, il t'a donné? Non. Faut donner 120, monsieur. Nous sommes désolés, mais voilà. Ah non, il m'a rien donné. Nous sommes pas désolés, hein, c'est désolé, mais enfreint la loi. Je crois qu'il faut le démenoter pour qu'il paye quelque chose. Non, parce que tout à l'heure, l'autre il a donné. Il a payé alors que je l'avais menotté. Je pense pas qu'il m'ait donné.
Il est en train d'écrire là. Il faut me libérer. Ben, donne-lui de l'argent. Une amende de 120. Pas besoin. De quoi pas besoin, mec? Non, c'est moi qui écris comme ça. Bon, donnez les 120. Ou bien ce serait une arrestation. Monsieur, si vous continuez à faire perdre notre temps, on augmente. Ouais, ça peut aller jusqu'à 10 200. Ah ben, il vous reste plus qu'un choix, là. Attends. Mec, viens. Il y a quelqu'un qui est rentré ici. Doucement. Mec, je vois à travers le mur deux policiers qui se visent. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais les autres policiers, moi je les vois à travers le mur. Allez, viens. Je te suis, moi. Ils doivent printer par ici. Les mots en l'air. Les mots en l'air. Les deux. Les mots en l'air. Casse-toi. Ouais, vas-y, suis-le. Non, quoique, viens. Il s'appelle... Non, mais lui, je connais. Il s'appelle Igor, je sais pas quoi. Attends, et l'autre, j'ai les autres mercenaires. Il m'a dit, dégage, toi. J'ai poursuivi, hein. Vas-y, moi je te poursuis à toi. I can see your MIT education really pays for itself. Sorry for the scare, I had to put on a show for the cameras. Non, tu. Je t'ai dit de t'arrêter. Et tu n'as pas arrêté, tu n'as pas obéi à mes ordres. L'autre écoute une courrier. Ben non, je te dis de t'arrêter, tu ne m'obéis pas, tu fuis. Désolé, mais c'est plutôt suspect. Hein. Ah, visiblement, vous avez un pied de biche, bidon d'essence, deux bidons d'essence. Oui, c'est tout à fait légal, je sais au courant. Oui, je suis au courant. Bah voilà, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Le monsieur est là. Tu m'arrêtes juste parce que j'ai rigolé avec toi par rapport à un arme. Ouais, non, t'as pas oublié mes ordres. Technique, l'autre, je suis devant lui. C'est pour moi le bateau. Ah oui, c'est bon. Ma position, donc. Oh merde! Oh merde! T'es jamais. Allez hop! Allez! Minute 34. Il va falloir que. Je pense que c'est le bug que je tarde à me toucher d'une fois. Il est quelle heure? Minute 34. Ah ouais! Pourquoi je tire comme ça, moi? Ben, c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est pour défendre le maire. Mais en vrai, il n'y a personne qui attaque. Il tire pour faire genre. Ok, alors, je t'envoie vérifier, ok? Ok. Tu vas dans cette maison, tu me dis si t'entends des bruits
J'utilise l'imprimante. Ok. Fermé. Fermé. Ouais. C'est fermé là aussi. Ouais. Bah, viens, viens. Je vais te montrer un petit moyen. Tu viens là, là. Tu sautes. Vas-y, ouvre. Fermé aussi. Attends, vas-y. Laisse-moi. T'es, il a vraiment tout fermé, mec. Mec, j'entends des bruits. Mec, une. Mec, il y en a une. Prends la thune qu'il y a à l'intérieur. C'est bon. Est-ce que je peux détruire? Attends, attends, je peux lui demander d'arrêter de faire. Je l'ai arrêté de fonctionner, mec. Ouais, je voudrais avoir un mandat, en fait. Au pire, je la prends, mec. Non, mais on peut pas la voir. Ben, attends, deux secondes, hein. Je vais allumer la radio et tout. Allô, quelqu'un me reçoit? Ouais. Oui, très bien. Je viens de trouver printers. Bien. Dans une maison. Où ça? Alors. Mettez-les dans votre véhicule et emmenez-les à la déchetterie. Où est la déchetterie? Au commissariat. Vous passez okay, par j'arrive. Le parking du bas et voilà. Que j'arrive. Franck, aide-moi. Ah, quoi? Faut qu'on la prenne. Mais je peux pas la prendre. Mais... Si, tout le monde peut la prendre. Ah. Vas-y, tu la prends. Oui. Vas-y, tu la mènes. Hein. Où? Tu la mènes. Il me faut un mandat, mec. Vas-y, viens. Ben, on passe par le bas, on passe par les portes que j'ai déjà pété. Le collègue qui a fait conclure des pointeurs, où se trouve-t-il? Ok, vous pouvez me donner un mandat, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas sortir de la maison. Je suis dans une maison blanche, devant le Comico. Faut traverser ce qui est devant le Comico. C'est bon, on est sur place, on est sur place, on est sur place. On a ajouté demande un mandat, monsieur le printer à travers le grillage. Et ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. J'ai eu l'aide d'un camarade. Il m'aide de partout. Ok, pour info, je mets un printer dans le coffre. Moi. Je vais être absent un peu sur la radio, les amis. Si vous avez un souci, vous me retrouverez au commissariat. Vous me libérez ou pas? Demandez un mandat au maire pour casser la porte. Je crois que okay. Le maire il m'a donné un mandat. Ok, nickel, nickel. C'est bon. Ok. J'ai aidé à... Oui, monsieur. Libérez-le, celui qui m'a aidé à trouver... Voilà. Où est ma voiture? Ok, pour info, je pousse un taxi, direction station essence extérieure de la ville. Ça va, on a bien travaillé, mec. Ok, que dans la maison blanche, sortez, on va prendre en poursuite les véhicules d'Aspi en haut. Il fait demi-tour. Franck, t'es où? On va partir. Viens, on y va. On va rechercher un véhicule parce qu'ils m'ont pris le mien. T'as vu, mec?
Ça, c'est du bon travail. Et dis-toi qu'il y a personne qui est capable de faire ça. On dévore le tunnel. Il veut pas s'arrêter. Hein. Allez, viens. J'aimerais une information. C'est quoi la fréquence de la radio de police? Ouais, mais je peux pas, mec. Il faut que j'aille au Comico. Faut que j'aille au Comico la chercher. C'est quoi la fréquence de la radio de police? Le taxi, faut prendre le taxi. Ok, le taxi se dirige vers Taco Bell, je répète. Se dirige vers Taco Bell. T'en penses quoi maintenant de Jmod? D'art. Bring me out.